Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 mais qui tourne actuellement sur ma PlayStation 5. Donc normalement, si tout se passe bien et que l'encodage YouTube fait bien son travail, vous aurez du gameplay en 4K. Édité et développé par CD Projekt et CD Projekt Red, à la tête bien entendu de la puissante saga The Witcher, sortie officielle le 10 décembre 2020, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Et si vous êtes sensible ou gêné par la nudité, la violence, la drogue, le sexe dans les jeux vidéo, je vous conseille de partir dès à présent, car le jeu ne sera sûrement pas fait pour vous et risquera peut-être d'en choquer certains. Incroyable note pour l'instant de 91 sur 100 sur Metacritic. Petite phase skinny, vous aurez toujours la possibilité d'arriver en discrétion pour faire des kills en mode stealth et ensuite cacher les corps. Un petit côté Hitman dans cette gestuelle. Le gameplay au niveau des armes est assez particulier. Je trouve que le joystick droit de la manette vous fait partir l'arme un petit peu dans tous les sens. Heureusement, une aide à la visée est attribuée dans le jeu pour vous faire directement lock l'ennemi dès le début. Phase de looting, c'est bien connu. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, c'est pas grave. La discrétion, ce sera pour une prochaine fois. Ma vie est située en haut à gauche, vous avez également le niveau, vous aurez un système RPG, mais on y reviendra plus tard. Vous avez ce qu'on appelle des points de réputation en plus qui vous serviront à améliorer les capacités de votre personne. Nous sommes dans un monde, ça se passe en 2077 forcément, dans la ville de Night City, où est-ce que la technologie prend clairement le dessus sur l'homme et l'homme est obligé en fait de recourir à des moyens cybernétiques pour essayer d'égaliser cette évolution qui lui échappe. Divers gangs sont présents pour prendre l'ascendant sur les autres ou prendre règne sur un quelconque projet ou affaire. Wow, il a des reins en acier lui pour pouvoir se relever d'un coup. Ah ouais. Non, effectivement, il y a quand même pas mal de bugs. Ouais, non, clairement, là, sur le ragdoll, c'est pas du tout ça. C'est un... J'exécute ce test 2 jours avant sa sortie. Donc, il n'y a pas encore le gros patch correctif qui a été annoncé déjà par CD Projekt pour le jour de sa sortie. Le test, actuellement, est fait le 8. Je le poste pour le 10. Donc, j'ai pas envie non plus de vous affoler. Voilà, même si pour moi c'est une aubaine de vous montrer quand même quelque chose avec quand c'est présent, quand il y a des bugs, tant mieux. Je vous disais justement que la nudité est présente, vous le voyez, il n'y a absolument rien qui est caché. Un éditeur de personnages est dispo dès le début du jeu, vous pouvez faire un homme ou une femme, vous pouvez même faire un transgenre, vous pouvez, tenez-vous bien, customiser jusqu'à la pilosité pubienne de votre protagoniste. À vous de faire pour un garçon, si vous avez envie, pour le dire de façon assez drôle, un cigare à moustache ou un ticket de métro pour madame. Il y a vraiment tout qui est possible. C'est une sexualisation de la nudité, de la violence voulue et qui est montrée et qui met un point d'appui et qui monte sur un piédestal le jeu Cyberpunk. Pour moi, je trouve que c'est une révolution dans la non-censure qui nous est accordée à nous les joueurs. Nous avons enfin un jeu de liberté, où est-ce que tout le monde peut se créer et peut se retrouver. Parce que le personnage, vous allez devoir le jouer pendant très très longtemps. C'est un jeu quand même qui est assez long. Prévoyez peut-être jusqu'à 200 heures de jeu pour vraiment bien le compléter. Et comme on va peut-être se familiariser et s'attacher au personnage, avoir fait un personnage qui pourrait peut-être se rapprocher de nous est un point quand même assez fortiche de la part de CD Projekt. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pour vous resituer, je suis à peine au début du jeu et c'est une mission que j'avais fait durant la démo presse il y a déjà presque un mois. C'est pour ça que j'avais envie en fait de vous montrer cette mission, parce que déjà je savais à quoi m'attendre, et je voulais donc du coup, quand je vous disais qu'il y a de la nudité, je voulais vraiment vous le montrer. C'est bon, certes, ce n'est qu'une poitrine, mais pour certains, ça peut choquer. Je peux le comprendre pour certains, mais voilà, si ça ne vous
Si ça vous choque un peu, comme je vous ai dit, libre à vous de quitter ce test gameplay découverte. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Pour vous resituer, en fait, il fallait récupérer une... Ah ouais, non, tu le souilles, quoi, le cadavre. Il fallait, du coup, sauver cette personne qui était apparemment son unité centrale, montrer qu'elle était un peu en danger. Bon, suffit de voir déjà comment elle est, la pauvre. Atterrissage, dégagé. Mais ça reste quand même assez bien fait au niveau du ragdoll. Enfin, le fait de voir une poitrine qui bouge, bah, je suis désolé, c'est réaliste. Non de... Mais je suis pas bon. Ah ! Pardon. Oui, mais à la porte. Déposez la patience au sol. Oui, on dépose. 5 pas en arrière. Allez. PT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. Ils sont violents quand même, les médics dans cette ville. De là à ce que les médics soient armés, ça vous laisse imaginer le taux de violence et de criminalité qu'il y a. Première mission est terminée. Vous avez même la possibilité de commencer le jeu avec un espèce de prologue qui vous permet de choisir dans quel camp vous voulez démarrer. Moi, j'ai choisi le truc le plus basique qui est le gosse des rues. Vous démarrez voilà, dans la rue et cela va influer directement vos choix et même la direction du scénario que va emprunter le jeu. Donc vous pouvez même recommencer le jeu plusieurs fois et ne pas avoir la même ligne, la même trame scénaristique qui se déroulera durant le jeu. Tous vos choix resteront uniques, influeront du coup sur la personnalité de chaque individu qui vous entoure. Ils seront peut-être gentils ou hostiles avec vous. Oh là 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 là. Ah oui, vivement le patch day one. Vous l'avez vu tout comme moi, il a quand même traversé la porte de l'ascenseur. Bon, la mission est donc terminée. Faut que je l'appelle elle, mais... De toute façon, je vais continuer un petit peu, je vais un peu avancer, parce que, certes, voir du gameplay en FPS, il y a aussi le côté TPS dans ce monde pseudo-open world. On va faire une brève ellipse temporelle, je vais un petit peu avancer dans le jeu, et vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Même les panneaux de publicité montrent un mec qui est juste derrière le cul d'une femme, quoi. C'est... enfin, voilà, je le répète encore, hein, c'est vraiment voulu, hein, c'est de la vulgarité sexuelle, entre guillemets, provocante, qui est assumée et qui montre, en fait, dans quel monde on vit. En fait, je pense que c'est ça, faire face à une réalité, c'est assez cool. Dégainer l'arme, et deux fois sur triangle, voilà, ok, très bien. Petite phase de gunfight. Camionnette qui nous suivait va pas nous suivre très très longtemps. C'est fou, dès que je bouge à peine le joystick, elle part dans tous les sens l'arme. Et pourtant j'ai baissé la sensibilité, je suis à 10 sur 100, c'est pour vous dire. Après, est-ce que c'est vraiment objectif? Est-ce que c'est vraiment... Je pense que je ne fais pas très bien mon travail en vous proposant un test avant que le gros patch correctif n'arrive, parce que du coup, je ne peux pas vous montrer à quoi vous allez vous attendre dès que le jeu va sortir. En tout cas, voilà de quoi le jeu est capable à ce moment précis. Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Alors si je me souviens bien, à ce moment-là, on est censé passer un espèce de poste frontalier, un espèce de péage, il y a comme une quarantaine qui est mise autour de la ville. Ils ont fait un Covid style avant l'heure, quoi. Ouais, voilà, il est là. Alors voilà, comme je vous ai dit, jusqu'au moment d'arriver avec Jackie, je sais déjà de quoi il en retourne dans le jeu. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or.
Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Quelle comédie dell'arte, ce Jackie. Incroyable. Faire les choses bien. Elle me laisse une chance. Vous voyez? C'est une raison valable. Voilà, si vous ne l'aviez pas remarqué, bien entendu, il y a la possibilité d'intervenir durant les conversations ou même d'avoir des réponses à choix multiples quand on s'adresse directement à vous. C'est les derniers. Allez, on se barre. Okay. J'aimerais pas, par contre, ce machin-là, j'aimerais pas me friter face à lui. Je pense qu'il me pète à la race avec mon niveau actuel. Niveau 1, je me fais éclater. Bon, allez. Il est temps, du coup, de... Je crois qu'il me ramène chez moi. Être sympa quand tu veux. Mais je sais pas si je vais juste poursuivre parce que je crois qu'il y a une intervention à un moment. Vous voyez, c'était la police. On voit déjà que ils ne prennent pas les choses à la légère avec ce poste de frontière improvisé. Mais il y a une autre unité d'intervention qui existe dans la ville. On va dire comme quand vous avez les 5 étoiles dans les 5-6 étoiles dans GTA. Je vous laisse regarder et découvrir par vous-même. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Maxtac. À côté de l'ELCPD, c'est des... Voilà, ça vous montre l'idée. La Maxtac se pointe quand ça chiffre... Bon. Il l'a achevé à terre. Quelle horreur, quoi. Non, on dirait que le spectacle est fini. Ouais. Enfin, moi personnellement, moi j'adore. Hein. Enfin, de la violence, ouais. On s'en va. Le mec te fait signe de la main, tu lui dis, voilà. Le mec, il vient à ta fenêtre, il te dit nique ta mère, tu lui dis, oui, justement, j'y allais là, j'allais niquer ma mère, là, j'y vais. Mais non, franchement, de la violence, enfin, c'est pas gratuit, mais elle est justifiée pour montrer, en fait, la gravité de la situation. Et je trouve ça bien que ce soit pas censuré. Sur ce principe. Tant mieux. Je vous avais parlé d'open world, avec phase de voiture. Maintenant que je vous ai montré ce petit passage, à moi de découvrir le jeu en même temps que vous. Allez, je me rends à une nouvelle mission. J'ai passé quelques phases de dialogue. Sachez que vous aurez donc du coup divers PNJ qui vous donneront forcément des missions. On retrouve un petit peu ce côté, un petit peu GTA bien entendu, d'aller à un certain endroit, faire une mission, puis ensuite... rendre la mission en revenant au point principal ou même en restant sur place si de lui-même le PNJ dit t'as fait du bon travail, à la prochaine. La caméra vraiment avec centrée sur un angle un petit peu obtus par rapport à la voiture, ça me refait penser au driver de l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon ben ma mission m'attend ici. Allez, on va couper les blabla, quand même, on est là pour avoir de l'action un peu. Petit coup sur l'interphone. Je vous connais pas. On vient parler à Royce. Alors Dex, c'est la personne qui m'a envoyé pour faire cette mission, mais si j'ai bien fait ma magie du montage, vous ne l'avez pas vu. Un mec black imposant, on dirait un peu le catcheur Marc Henry. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers. Les mines qui se désactivent avant qu'on passe, quand même, si ça c'est pas beau. Ouais, Pardex. Il est un peu spécial d'après lui. Parle-moi meilleur quand même, s'il te plaît. Attendez. On va pas élever les cochons ensemble. On reste close, mais on est chez eux, n'oublie pas. Hé, mais je le connais ce passage. Il était dans un trailer. Ah, j'ai 7 missions à faire. Elle est pas mal en plus, elle est assez cool. Donc voilà, le principe c'est que je dois récupérer une arme. Un robot d'armement. Et en gros, je vous fais le topo. Le deal avait été fait avec l'ancien boss de ce gang. Le
cet ancien boss a été destitué par un type avec qui je vais devoir négocier, et je pense qu'il faut que je repasse à la caisse une deuxième fois, et pour nous, il n'en est pas question, on vient quand même récupérer la marchandise parce qu'on avait déjà payé. Il se soit pas, Jackie ? Ça vaut aussi pour toi. Tu con. Je vais rester debout. M'attire pas des emmerdes, Jackie, s'il te plaît. Pose ton putain de pied sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu ne te montrerais jamais. Mais sans déconner quand même, avec sa face là de squelettique de cul, là, ça, il cherche des noises à mon pote qui fait deux fois son gabarit. Au bout d'un moment quand même. C'est pas parce que t'as un flingue qu'il faut te laisser pousser les couilles. Allez, on se détend. Prends une dose. Non. Ouais, non. Ma maman a dit non à la drogue. Et puis, vu ta dégaine, ça me donne clairement pas envie. Allez, fais voir la cam. Et voilà, le Flathead, modèle MT0-T1-2. Show me dead. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret, Jojo. Bladage avec camouflage thermo-optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Revel. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Ils ont intégré complètement. Mais tu le fais partir où comme ça? Il va bégère. Alors vous en dites quoi? Ouais, lui, faut pas qu'il joue à la VR. Hein. Ouais, on le prend, ouais. Hein. On le prend. Penios, c'est super! On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick. Il a été payé. J'avais dit que ça allait puer. Eh ouais, bah ouais, on paie pas deux fois quand même. Ce robot. Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas? Hein? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le ferais. J'ai pas assez, de toute façon, au début du jeu. Une réduque. En fait, tu penses. Tu nous as pas dit qui t'envoie. Pour qui tu bosses? Dexter de Shawn, si tu veux le savoir. Dexter de Shawn. Le crawler qui a enculé la moitié de Pacifica. Oh, 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 oh. Ça va chier. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas? Le flingue, il se fond un peu dans son cou quand même. Me fais pas attendre. Amenez-vous, fils de pute. C'est l'heure de la baston. Alors, en fonction des armes que vous avez, il y en a certaines qui ont même des sous-capacités. Certaines tirent des balles incendiaires, d'autres des balles électriques. Voilà, ça dépend vraiment de l'arme. Et puis, pour l'instant, d'après mon stuff, je peux emporter 3 sur moi. Le robot et le contrôleur. Alors, on se casse. Vaut mieux pas traîner. On récupère tout ça. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Allez, zou. Reste au dossier de viande. Ça me donne une gerbe. C'est une chaîne de production. Je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin.
l'ours, on y va. Oh. Il est rentré dans un truc où est-ce qu'il, aurait dû avoir un bug de collision. Mais bon, ouais. Alors, quand c'est scripté et qu'un PNJ passe, je sais qu'il est capable de tout éclater sur son passage. J'avais vu ça dans Reddit et ça m'a été confirmé. Bon, je l'ai coupé au montage. Mais quand je me suis garé là, quand il était sur sa moto avant de me donner la mission, eh bien, figurez-vous que il est sorti. Enfin, j'avais garé la voiture à côté, j'ai créé un bouchon. Et lui, il est passé à travers le bouchon. Il est passé à travers un van. Le van a disparu. Il y avait deux personnes dans le van. Et elles étaient assises dans du vide avant elles-mêmes de disparaître. C'est... Vous savez, aucune idée de... Vivement le patch. Par contre, la sensation de tir est ultra réaliste, je trouve. Le recul de l'arme est génial. Forcément, je suis en surcharge avec les balles qui font de la chaleur. Ça pue. Mais récupère! Par ici, numéro. C'est pas possible, ça. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. On y va. En vrai, c'était une porte transparente, j'aurais pu me voir. Je pense qu'il se passe un truc dans mon unité centrale, parce que c'est pas des bugs d'écran hein, que vous voyez, c'est vraiment ce que je vois là, quand l'écran il se clippe là, quoi, comme s'il y avait un problème d'image, c'est vraiment ce que lui voit. Je pense que c'est quand on se prend une balle en fait, c'est le retour de dégâts. Ah ouais. Je brûle quoi. Avec moi. C'est sympa quand même le principe de voir quand même la vie de l'adversaire. Vous savez un peu comment le négocier, savoir si vous devez fuir ou pas. Et puis généralement on voit après quand on est trop bas level par rapport à l'adversaire. Ce principe même de la vision du stamina de l'adversaire pour voir si on a le niveau, c'est assez cool. J'en ai marre quand même d'avoir ces effets de bonheur sur moi. Stop. Qu'est-ce que tu foutais là, je t'ai pas vu. Hey, crève. Ouais, toi. Voilà, ça va aller au couteau. Ah, j'ai l'impression de les tuer plus vite. Hein. Oh bah oui, mais le couteau, mais clairement, ça fait le taf en fait. D'où tu sors toi, dégage. Oh ouais, il y a du monde encore. Un peu trop, mais on est proche de la sortie. Mais... Oh, putain, mais je suis un con, j'avais pas dégainé mon arme. Parfait, mais... Attendez, pendant que j'y suis, j'ai dû récupérer des armes au sol. J'ai dû récupérer des armes. Mais voilà, j'ai de l'automatique. Oui, mais clairement. Par contre, arrête de bouger. Voilà. Oh, mais ça va 10 fois mieux. Oh, mais oui, mais clairement. Parfait. Ça va me faire plein de matériel pour démanteler tout ça. J'ai récupéré pas mal de vêtements qui vont m'augmenter mon armure. Forcément, en fonction de votre level, vous pouvez les porter ou non. Et ben voilà, on a terminé. Bon. Eh bien, je pense du coup qu'on va se stopper là.
Je pense que deux missions, un peu d'open world, auront été suffisantes, je pense, pour vous faire découvrir le jeu. J'espère en tout cas, du coup, que ce test gameplay découvert de Cyberpunk 2077, encore une fois, avant le patch Day One, vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao. J'ai clairement manqué à mes obligations. J'avais promis de m'arrêter un petit peu sur l'aspect RPG avec l'équipement, etc. Donc je repars sur une phase de gameplay que j'ai déjà tournée, donc je vais la surcommenter. C'est du coup un espèce de faux direct que je vous fais. Donc dans le menu, vous voyez, vous avez donc votre inventaire, et si vous équipez tel ou tel objet, vous avez le poids, l'armure qu'il vous rajoute, et en fonction de votre niveau, vous pouvez vous l'équiper ou non. J'avais débloqué deux hauts, dont un holster et une veste. Voilà, vous pouvez vraiment voir. Enfin, en fonction des cinématiques, de toute façon, il portera tout ce que vous allez lui mettre. Ce qui est quand même fort sympathique. En plus, du coup, de votre niveau à acquérir, vous avez aussi votre niveau de réputation. Et donc, j'y viens. Vous devrez également, donc, pour les points de réputation, aller chez votre toubib. Et ce personnage est assez sympathique. Il vous permet donc de vous améliorer complètement et de vous refaire clairement la façade. Il vous ajoute, sous le principe de passif intégré au jeu, alors même jusqu'à la modification d'ATH, toutes ces modifications vous apporteront une plus-value et vous permettra de négocier le jeu de façon plus agréable et sereine. Quand je parle de modification d'ATH, le système oculaire, vous pouvez changer donc vos yeux qui vous permettent de voir des choses, de voir le monde différemment. J'avais aussi un autre objet sur les mains qui vous permet donc du coup d'afficher plus précisément la quantité de balles qui reste dans votre arme quand vous la tenez en main. Ensuite, vous avez par rapport à telle ou telle spécificité le nombre d'objets que vous avez encore à disposer. Bien entendu, ça vous coûte des sous-sous, donc il faudra jouer, mais vous le voyez, ça vous ajoute détails d'emplacement, augmentation de vie, bref, plein de petits passifs intégrés. Ça se fait ou sous l'arbre de compétences avec les niveaux, ou par la réputation avec notre cher médecin Victor. Sur ce, je pense à peu près vous avoir du coup tout dit pour cette découverte, encore une fois, je n'ai pas envie de vous parler de tout le jeu, on limite quand même un petit peu le spoil, pour ce jeu tant attendu. Je vous dis donc cette fois-ci vraiment à très bientôt. Et je vous souhaite également un joyeux Noël et de bonnes fêtes, donc fin d'année, car normalement, je ne referai pas de test avant 2021. Je rajoute donc ces petits derniers mots. Ce fut pour moi un immense plaisir de vous tester cette vingtaine de jeux durant l'année 2020. Et merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit sur ma chaîne perso ou sur la chaîne de consolefun.fr ou même via mes interventions chez JVC. Merci à tous, bon Noël et bonne année en avance. Et ne dites pas que souhaiter bonne année en avance, là, ça porte malheur. Hein. Je vous vois là, les plus tatillons là entre vous. Hein. Je vous emmerde, je dis ce que je veux. Allez, à ciao tout le monde.